claquer vos doigts là-dessus. Hop, hop, hop. Ouais. Eh, petite peluche. Moi, je veux bien jouer le jeu, mais peluche. Peluche. On a fait la peluche. Ouais, ça va pas peluche, bien. Elle me regarde, non, si non. Tu veux, mais elle peut pas jouer. C'est tes doigts sur les... Bah quoi? Ciao. Merci. C'est son allez, j'ai mes doigts, j'ai mes doigts. C'est son esquive pour pas jouer. Bah oui, c'est ça, parce qu'il a pas envie de jouer. Bon, ok. Donc, okay. On avait dit que la personne qui était désignée pour le lit du truc, c'était toi, Dylan. Donc, c'est toi qui pose des questions. D'accord, ok. Okay. Donc, ah, vas-y. Tu lis. Ça marchera pas, peut-être. Pose une question. Vas-y, pose ta question. D'accord. Esprit, est-ce que tu... je sais pas... Pas d'idée. Non, mais tu fumes. Des questions fermées. Okay. Oui, tu m'as déjà dit. Ouais, voilà. Ouais, attends. Donc là, du coup, je vais te demander si c'est un homme ou une femme pour commencer. D'accord. Et s'il a envie de... Tu peux me laisser me concentrer, putain. Ah, t'es beau. Le jeu. Attends, vas-y, ok. Esprit, est-ce que tu es un homme et... Est-ce que tu es un homme? Ou si oui. Oui, voilà, c'est ça. Si oui, dirige-toi vers le oui. Ok. Bon, mais d'accord, merci quoi. Non, mais attends, c'est pas instantanément. Pose ta question, sois convaincu, faut que tu le ressentes, ça marche. Esprit. Sur les ondes. Ça bouge. Ça bouge. Les mecs, vous êtes cons, sérieux. Non. Non, c'est ma main. C'est pour ça. Non, mais t'es grave. Non, mais faut quand même y croire un peu si tu veux. Mais non, mais si tu crois pas, ça marche pas. Bah oui. En plus, il va croire que tu te fous de sa gueule, il va s'énerver le truc. Genre, ça t'énerve. Arrête de me regarder comme ça. Ouais, ça c'est arrivé, moi j'y crois, donc... Vas-y. Bon, les mecs, vous arrêtez de vous foutre de notre gueule, là, sérieux. En tout cas, apparemment, il est certain que c'est un mec, c'est ça? Pourquoi tu dis ça? C'était quoi ta question, déjà? Bah, c'est un mec. T'as demandé si c'était un homme? Oui. T'as dit quoi? Esprit, esprit. Est-ce que si c'est un homme, dirige-toi vers le oui. Attends, c'est pas toi qui a bougé, non? Non. Bah, Dylan. C'est toi qui a bougé. Bah, vous êtes con là, vous pensez que je suis tout seul à bouger alors que vous avez tous vos doigts là-dessus? Bah, je sais pas, moi j'ai pas vrai. Et il allait où? Il allait sur lui? Tu crois? Bon, alors on pose une autre question? Bah, ouais, vas-y. Et ce pays... Sa date de naissance, tiens, vas-y. Esprit, en quelle année es-tu né? Non mais dis-le normalement, putain, il va partir pour un con, le truc, t'en fais sérieux, t'es d'accord? Putain, ou pas? Mais vas-y, détends-toi quand même. Catalyne, non mais dis à ton pote, ça c'est juste un peu, ça me fait un peu peur, tu me dis qu'il y a... Mais attends, mais... Esprit... Esprit, en quelle année es-tu né? En quelle année? Bon, les mecs, vous êtes pas drôles. Voilà, il y en a... Le table qui a bougé. Parce qu'il y a bougé là. Mais arrêtez les mecs sérieux. Putain, vous êtes naze. Alors, un neuf. Il était vieux, hein. Ah, c'est bon, Dylan. Oh là là, il est de plus en plus vieux, non? 5,90. Quoi? Après ou avant Jésus-Christ? Non, autre question. Arrête, tu vas l'embrouiller là, le truc, il est en train de parler, sérieux. Faut respecter parce que le truc, il va s'énerver. Mais on respecte, hein. Qui? 1904. Bah, l'âme. Non, c'est l'âme. Pas le mec, il est vieux, quoi. Mais si, c'est vrai. Mais donc, il est forcément mort, quoi, à cet âge-là, putain. Bah, 1904. Non, mais je suis con, de toute façon, c'est un esprit. Si c'est vieux, la maison de retraite à côté, c'est... Non, mais ça va pas. T'imagines, le mec, il est pas encore mort et c'est déjà un esprit. Mais arrête de raconter n'importe quoi. Bon, attends. Esprit, tu es mort comment? Comment on peut formuler ça? Tu... Bah, normalement, je sais pas, on a pas le droit. Est-ce que tu es mort... Est-ce que tu es mort de... Putain, attends. Est-ce que tu es mort... De fièvre. De vieillesse. Non, attends, un truc. Non, est-ce que tu es mort assassiné? Voilà, vous êtes d'accord? On pose cette question? Ouais. Esprit, est-ce que tu es mort assassiné? Mais normalement, on n'a pas le droit de poser ça comme question. Pourquoi? Bah, si on a un mort, c'est bon, Dylan. Dylan! Dylan, arrête! Ta tête! Dylan! Dylan! Dylan, regarde-moi! Qu'est-ce que viens, merde! J'arrive pas à tenir! Mais regarde-moi, Dylan! Vous avez été nombreux à réagir à cette vidéo que j'ai publiée sur mon site. Depuis, ce garçon a des comportements étranges. Qui est vraiment Dylan? Est-il victime de lui-même ou d'un esprit?
Certains pensent que c'est une mise en scène, mais pas moi. La possession n'est pas forcément l'œuvre du démon. Elle est en réalité un moyen de communication entre notre monde et l'au-delà. L'enquête que j'ai menée dans cette maison surpasse toutes celles que j'ai déjà vécues. Où est la frontière entre la folie et la possession? Cette question, je me la pose encore aujourd'hui. Il y a des portes qu'il ne faudrait jamais ouvrir. Bonsoir, Cataline. Bonsoir, André. Écoute, je te remercie de m'avoir envoyé cette vidéo. Merci à toi d'avoir accepté. Ok. Raconte-moi, s'il te plaît, ce qui s'est passé avec ton pote Dylan après sa crise. Il était très étrange, dans le sens où il était absent, il répondait vaguement à nos questions, il n'était pas clair dans ce qu'il disait. Tu sais, Cataline, il y a quelque chose que je comprends pas. Pourquoi tu as continué à filmer ton ami pendant sa crise, plutôt que de l'aider ou d'appeler les secours? Tu vois ton ami comme ça et tu continues à filmer? Comme c'était une soirée plutôt... Enfin, on se marrait, on a un peu bu. Au début, je pensais qu'il rigolait. C'est pour ça que j'ai pas eu le réflexe de poser mon portable et aller l'aider directement. Il a complètement changé. Depuis cette soirée, je le reconnais plus. Ses parents, ils étaient à la maison? Non. Et vous n'avez pas pensé de les appeler, non? Je ne sais pas, même un médecin. Ou même les pompiers dans ce cas-là. Je sais pas, il était tard, on avait un peu bu. Peut-être qu'il avait mal réagi à quelque chose, enfin... Il avait l'air d'être assez bien pour pouvoir dormir tout seul, qu'on n'ait pas besoin d'appeler les secours. Et tu l'as revu après cette soirée? Oui, deux ou trois fois. J'en garde pas forcément des bons souvenirs parce que il était assez spécial. Quand on s'est revu, il était un peu agressif, il avait pas trop envie qu'on lui parle, qu'on se voit. Enfin, généralement, c'était des entrevues assez courtes. Selon toi, Anton, est-ce qu'on peut penser que ton pote est possédé par un esprit? J'ai pas vraiment l'impression qu'il est possédé. C'est effectivement, je le reconnais pas, mais je pense juste qu'il a pas mal changé, quoi. Je sais pas si ça vient peut-être de ses études, de ses parents, de ses relations. Enfin, je sais pas. Tu crois, toi, en ces phénomènes? Pas trop. C'est bien toi qui as amené la planche Ouija? Ouais.
C'est moi qui ai amené la planche ce soir-là. C'était mon idée. Et tu l'as revu, Dylan, après? Ouais. Et je sais pas, je suis arrivée dans sa chambre et... J'ai voulu faire comme d'habitude, l'embrasser fort et là, il m'a pris comme ça, là. Il a serré et... C'est un peu dur de le voir comme ça, en fait. Parce que je le reconnais pas. On a toujours été une bande de quatre potes. Et là, il en manque un. Selon toi, Ephir, est-ce qu'on pourrait évoquer un cas de possession? Je sais pas. J'aurais tendance à dire que oui. Parce que aujourd'hui, j'arrive pas à m'expliquer le comportement de Dylan. Ok, je te remercie. Merci. Bah là, je suis... Bah, je suis presque arrivé chez les parents. Bonjour monsieur Duval. André. Dites-moi, monsieur Duval, vous êtes toujours d'accord pour que je vous filme? Oui, non, ça va, vous pouvez filmer. Je vous demanderai une seule chose, c'est de ne pas filmer l'extérieur de la maison, s'il vous plaît. Ok, il n'y a pas de problème, je vous comprends. Très bien, vous pouvez entrer. Merci. Je vous présente mon épouse. Bonjour madame. André, enchanté. Messieurs, dames, juste un instant, j'arrive à vous. Hop. Messieurs, madame Duval, tout d'abord, je vous remercie de me recevoir chez vous. Kathleen nous a montré vos vidéos et... Mes enquêtes. Oui, exactement, oui. Et on a vu que vous aidiez les gens. Si vous pouviez nous aider, ce serait bien. Et surtout, aider Dylan à sortir de ce comportement anormal. Ces changements de comportement et toutes ces choses-là, ça arrive après cette soirée de Ouija? Ah oui, oui. Tout à fait. On est très inquiets. Très, très inquiets. Oui. Il a complètement changé. De quelle manière? Il marche la nuit, toutes les nuits de long en large, dans toute la maison. Il a même bousculé son père. Il monte, il descend, et il a changé complètement. Et en pleine nuit, il fait ça. À partir de 3h du matin, il se promène partout. Vous pensez pas qu'il se drogue? Non. On se parle, on se dit tout à la maison. Je suis là pour vous aider, pour apporter des réponses. Vos enquêtes sont connues, alors voilà. Donc tout d'abord, vous allez montrer la maison. Comme ça, je peux installer mes caméras, tout mon matériel que j'aurai besoin de processeur pour mon investigation. Une fois que j'ai fini mon enquête, je vous appelle. D'accord. Vous me laissez un petit instant, je vais éteindre mes caméras. Et ensuite, on ira faire un tour. C'est bon, on peut aller. Voilà, alors, en bas, c'est la chambre de Dylan. C'est lui qui a choisi de venir en bas. C'est lui qui a choisi sa chambre. Pour quelle raison? Parce qu'elle lui plaisait. Il aimait bien être seul ici en bas. Voilà. On l'a laissé dans l'état, exactement dans l'état où on l'a trouvé cette fameuse nuit. À 3-4 heures du matin, on était réveillé en sursaut comme un tremblement de terre. Ah oui. On est tout de suite descendu et on a trouvé notre fils qui dormait paisiblement et... Oui. Voilà. On a même été obligé de le réveiller, vous voyez. Alors, ici vous avez une chambre d'amis qui est fermée à clé.
On peut pas accéder, non? Pardon? On peut pas accéder. Non, non. Et tout au fond, c'est mon bureau qui est également fermé à clé. D'accord. C'est notre chambre. Après le départ de monsieur et madame Duval, j'ai installé mes caméras infrarouges afin de capter le moindre phénomène. J'ai rangé la chambre du Dylan pour provoquer une éventuelle réaction. Si c'est un esprit qui s'est manifesté de manière aussi violente, il recommencera peut-être en ma présence. Voici la planche qui a servi aux étudiants. Cette nuit, j'ai fait une séance au même moment où Dylan a eu sa crise. À 3 heures. Si t'es présent, fais-moi couler l'eau. Est-ce que tu lui en veux, Dylan? Est-ce que tu es présent avec moi ici, dans cette maison? Voilà les amis, ça fait maintenant 2h30 j'ai commencé mon investigation en essayant d'interpeller une entité. Pour le moment c'est très calme. Ce que je vais faire maintenant, je vais installer mes autres caméras et puis je vais refaire une enquête de nuit. Et puis on verra qu'est-ce que ça donne. À tout à l'heure les amis. Ben voilà les amis, on y est. Il est 3h du matin. Et pour être sincère avec vous, je suis pas à l'aise du tout pour faire cette séance d'Ouija toute seule. La première des règles du CESJE, c'est de ne pas faire une séance Ouija toute seule. Esprit, est-ce que tu es présent avec moi dans cette pièce? Si vous êtes là, n'hésitez pas à communiquer avec moi via cette planche Ouija. Je vais vous poser des questions. Et vous pouvez vous en servir de mon pointeur en allant vers oui, ou non, bien la lune ou le soleil. Est-ce que vous connaissez Dylan peut-être ? Ou ses parents? Pour le moment, pas de réponse. Je ressens rien.
Donc, je veux continuer cette séance, évidemment, en étant un peu plus ferme dans mes questions. Esprit, est-ce que tu es là? Pourquoi t'as choisi Dylan parmi les quatre étudiants? Rien. Aucun contact. Aucune manifestation. Juste le sentiment d'être observé, comme si ma présence dérangeait. J'ai donc décidé de laisser mes camarades de surveillance en place, avec l'accord des parents, pour voir s'il se passe quelque chose en mon absence. Bonjour Lilan, je m'appelle André. Enchanté. Tu sais, comme tes parents étant parlé, je suis investigateur et j'amène des enquêtes sur des phénomènes inexpliqués. Tes parents expliquent un changement de comportement de ta part. Tu pourras m'en parler plus, s'il te plaît? On va commencer par un petite vidéo, si ça ne dérange pas. Tu pourras être attentif, s'il te plaît. Merci. Ouais, oui. Esprit, est-ce que tu es mort assassiné? Mais normalement, on n'a pas le droit de poser ça comme question. Pourquoi? Bah si, normalement, la réponse est... Ah ah ah. C'est bon, dis. Alors, tu peux m'expliquer? Dylan, tu sais, si aujourd'hui je suis là, c'est pour... C'est pour toi d'ailleurs, et pour tes parents. Donc, essaie d'être sincère avec moi et de me faire un peu de confiance. Je suis pas venu pour te juger, ni pour créer des histoires. Donc, tes parents, ils sont pas là. On est tous les deux. Tu peux m'en parler. Est-ce que t'as des problèmes avec tes parents? En revenant sur la soeur Vigin, tu te souviens de quel esprit vous avez invoqué?
Elisabeth. 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 Menteur. Menteur. Elisabeth. Menteur. Menteur. Elisabeth. Menteur. De 3h du matin, je viens d'avoir un appel à l'instant du père du Dylan qui m'a appelé en catastrophe. Apparemment quelque chose de très grave s'est passé. J'ai senti dans sa voix qu'il était vraiment vraiment en quête. Fils est en bas. Okay. Il n'y a plus d'électricité. Reste là, reste là, je m'en occupe. Reste là. Plus d'électricité. Monte là-haut. Monte dans ta chambre. Calme-toi. Dylan. 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 Iris Dylan. Dylan. Iris Dylan. 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 Isabelle. Dylan, parle-moi, s'il te plaît. Dylan. Dylan. Je suis une halle que pour un. Je suis une halle que pour un. Morte. Vite, quelqu'un! Oui! Vite, j'arrive! Dylan, Dylan, c'est bien, Dylan, je suis là. Je suis là, Dylan. Appelle un médecin, s'il te plaît. Un médecin! Mon fils! Oh, Dylan, il est bien, Dylan. Dylan. Il n'y a pas de que vous. Birzil, Dier Underwelt. Allô? Devenir un médecin, s'il vous plaît. À ce moment-là, j'ai eu une absence. J'étais complètement perdu. Même là, j'en souviens pas grand-chose. Ça signifie quoi, ce que t'as fait là? J'essayais de saisir son énergie en fait. Tu sais, comme j'étais ici avec la vidéo, je peux voir ce qui se passe. Avec une photo, je peux essayer de capter son énergie. Dans les photos, voilà, on voit ses yeux, on voit des choses, on ressent des choses. Mais chez lui, en fait, il n'y a rien. C'est comme si ma pendule, elle s'est rassurée en personne morte. Alors que... Mais morte... Tu veux dire quoi avec ça? Morte... Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'énergie. En fait, ton âme, c'est ton énergie. Et là, il n'y a rien, en fait. C'est ton absence d'âme. Tu vois, c'est quelque chose qui me dépasse. Je connais quelqu'un, c'est le père Tamayo. Il officie encore, il fait des messes, c'est un prêtre catholique. Okay. Et en fait, il fait que ça, en fait. Il fait... il se... De voir s'il y a vraiment des possessions ou des choses comme ça. Parce que pour moi, ça va être trop difficile. D'accord, donc toi, tu peux pas te donner ton avis par rapport à une possession possible. Je peux pas être catégorique. Parce que, voilà, moi, ce que je te dis, en tout cas, c'est qu'il y a quelque chose de très négatif, de très pesant. Cet prêtre, il pourra t'aider. Ok, mets-moi en connexion avec lui et puis... Je vais l'appeler, si tu veux, je te donne ses coordonnées. Bien sûr. En revanche, toi, vraiment, André... Prends soin de toi. L'emprise qu'il a eu sur toi, à ce moment-là, c'est... Enfin, vraiment, c'est pas normal. Ouais, je vais essayer. Merci, en tout cas. T'en prie. Merci pour ton aide pour l'instant. Je suis là, tu peux compter sur moi, t'es en courant surtout. Bien sûr.
Bon, j'y vais. Hein. Je vais travailler. Il ne veut toujours pas me parler. Je comprends pas. Ça fait pas. À demain matin. Vas-y. Au revoir. Allô? Allô, bon,
oui, venez vite. Madame Duval, qu'est-ce qui se passe? Ah, ok, j'arrive. Madame Duval, ouvre-moi s'il vous plaît. Je sais pas où il est. Il ne me reconnaît plus. Il a les yeux tout noirs, il a du sang dans les yeux. Restez, je vais aller voir. Restez dans votre chambre s'il vous plaît. Entrez dans votre chambre. Dylan. Hey Dylan, ça va? Parle-moi. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? De quoi tu parles? Comment ça, de quoi je parle? Ta mère vient de m'appeler. Tu la poursuis partout dans la maison. Je suis resté ici, je suis resté dans ma chambre. T'as fermé les portes à clé? Mais non. T'es sûr? T'inquiète pas, je reviendrai vers toi. Dylan, t'es sûr que tu te souviens de rien? Bonjour mon père. Bonjour. Vous permettez que je vous filme? Oui, entrez. David m'a expliqué. Vous faites un documentaire, n'est-ce pas? J'ai fait des investigations sur des phénomènes à expliquer. Excusez-moi, papa. Ben, j'essaie de venir en aide à des gens qui me contactent. Ah bon, c'est intéressant. Ben, justement, c'est pour ça que je suis venu vous voir. On va aller à l'intérieur, excusez-moi. Oui, bien sûr, j'ai des images à vous montrer et puis à avoir votre avis. Alors mon père, quand je vous avais parlé tout à l'heure, j'amène des investigations. Et pour ceci, j'ai installé plusieurs caméras un peu partout dans la maison. Et j'aimerais bien vous montrer quelques images assez surprenantes.
Il faut que je voie ce garçon. Très bien. Vous savez, et ça fait quelques années déjà, j'ai exorcisé une fillette. J'étais en face d'une madame. Elle m'a projeté avec une super puissance inhumaine. Vous comprenez? Je comprends, mais je suis prêt à tout. Si c'est le cas, ça va être un combat assez difficile. Je vais contacter l'évêque. En attendant, mettez à l'abri ses parents, parce que ça peut se projeter partout. Ça va être, je répète, un combat très difficile. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe, parce que sur ça va, j'ai senti une inquiétude très forte. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Duval? C'est Laurence. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Écoutez, on entend bien un grand bruit.
Il était devant la glace et il est tombé. Il est tombé? Il est tombé. Et il s'est coupé avec le couteau qu'il a là? Probablement. Probablement. Oui. Très bien. C'est quoi cette écriture? C'est lui qui a dû écrire ça. C'est lui qui a écrit ça? Oui. Vous restez là, on va s'occuper de votre fils. Merci. On va vous mettre de l'oxygène. Gardez votre bras sur vous, monsieur, vous gardez votre bras sur vous. Vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez? Monsieur là, on va emmener votre fils à l'hôpital. Ça va derrière? Devant. Ça va, vous êtes caché. Dylan a été opéré cette nuit. Ils l'ont transfusé. Il va mieux? Ah, j'espère. Sa mère est à l'hôpital, toute la nuit. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Enfin, regardez. Je vais lui demander. On ne le voit pas sur ma caméra infrarouge, mais voilà ce que Dylan a écrit avec son sang. À nouveau cette phrase. Nous sommes les maîtres du monde. Dylan, je suis avec ma caméra. Ça te dérange pas? Comment ça va, Dylan? Je me souviens de ce qui s'est passé. Tes parents, ça m'a fait du mal. Dylan, tes parents, ils t'aiment. Tu le sais. Le psychiatre est passé ce matin. Quand il est reparti, je l'ai entendu parler de schizophrénie avec les autres. Je suis pas fou. Je suis pas dingue. En vrai, je suis pas dingue. Je le sais, lui. Ils veulent m'interner. Je suis sûr qu'ils veulent m'interner. André, ils ne les laissent pas faire. Ils ne les laissent pas faire. Je ne veux pas aller là-bas. Dylan. Je te promets. Je vais te sortir de là. Tu me fais confiance, s'il te plaît? Tu me fais confiance. Allez. Essaye de te reposer. Hein. Arrête de penser. Je suis là. D'accord? Je repasserai te voir. T'inquiète. Bye. Oui, Dylan. Je compte sur toi. T'inquiète pas. André. Come in! Hey! Hey, André! Hey! Come in, André! Allons-y. J'ai quelqu'un à te présenter. Là pour t'aider. Allez-y, Père Tarayo.
Bonjour, Dylan. C'est bien ça, ton nom? Audrey, fais-le sortir, s'il te plaît. Dylan, réponds à ma question, s'il te plaît. Je te le demande à nouveau. Quel est ton nom? Dylan. Très bien. Tu vas essayer de répéter après moi, Dylan. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Fratele, que ta volonté, soit faite sur la terre comme au ciel. André, le Père, qui est aux yeux, que ton nom soit sanctifié. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père. Le prêtre est convaincu. Dylan est possédé. Il m'a projeté au sol avec une force surhumaine. Dylan m'a parlé dans un parfait roumain. Je suis moi-même convaincu qu'il est possédé. Qui possède Dylan? Il est temps que je m'installe dans la maison. Highlander!
Pourquoi exécute capo une cocaïne. J'ai vu les images. J'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Si l'esprit qui le possède est capable de me marquer au sang, il peut me tuer. Madame, monsieur, je vous demande de quitter la maison ce soir. C'est pas possible. Je sais, c'est je comprends. Possible. Je sais, c'est pas facile pour vous, pour moi non plus. Mais c'est la seule solution qui me reste pour essayer de sauver Dylan. Vous saviez, votre fils, il est possédé. Donc cette séance d'exorcisme, elle est nécessaire. Si on veut faire quelque chose pour lui. Faites-moi confiance, s'il vous plaît. J'ai aucune idée du combien de temps ça va nous prendre. Mais je vous promets, dès que ça sera prêt, vous serez le premier à le savoir. D'accord? Je voudrais voir le prêtre avant de partir. Malheureusement, ça sera impossible. Le prêtre, il ne veut aucun contact familial. Je suis vraiment désolé.
c'est le bon. Allez. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Que les sels mélangés dans l'eau purifient l'esprit de Dylan. Et donc d'où ta bénédiction, toi, notre Père, Dieu. Amen. Dis-la dans la paix. Qu'il soleil au toucher ou à l'absorption de cette huile sanctifiée. Amen. Tu me fais ça, André. Ouais, tu sais que je suis pas bien, tu sais que je suis malade. Les psychiatres m'ont dit à l'hôpital. Dylan, arrête. Tu sais bien que c'est plus que ça. André, t'es venu ici pour m'aider. Pourquoi tu me fais ça? Fais-le partir, l'autre. Fais-le partir. André, fais-le partir. André, je supplie. C'est pour ton bien, Dylan. Je te conjure, Satan, libère ses corps. Libère-le. Père Tout-Puissant, notre Dieu le Père, l'a créé. Tu nous as recréés en lui, qui est l'homme. Oh, asperge à ceux qui le accordent pour accorder sa vie, pour accorder la puissance de Dieu, pour accorder la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, pour accorder pour qu'il revienne sur le chemin de la vie nouvelle. Par la puissance du Saint-Esprit, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Putain. Ça va, mon père? Ça va. Mon père,
Qu'est-ce qu'il y a? Règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Notre Père, notre Dieu, notre Père, que vienne chez tout d'abord, je remercie énormément d'être venu. Je sais, c'était pas facile. Merci beaucoup. Par contre, Dylan ne se souvient de rien. C'est toujours comme ça. J'ai recommandé à ses parents de beaucoup prier durant les deux prochaines semaines. Je vais le faire aussi, mon père. Que Dieu vous bénisse. Merci, mon père. Merci. Je vous remercie. Ça va mieux. Je retrouve mon fils enfin, comme avant. Écoutez, c'est moi que je remercie de m'avoir fait confiance. Et croyez-moi, je suis ravi de pouvoir amener cette enquête au bout. C'était même plus une enquête d'ailleurs, c'était déjà un sentiment très fort, c'était plutôt humainement. Oui, oui. J'ai bien vu, vous avez pris parti, quoi. Pour lui. Merci. Merci. Vraiment. Je suis vraiment. Du fond du cœur, merci. Tu vas pouvoir te reposer maintenant, tranquillement, dans ta chambre. C'est bien. Repousse-toi. Merci. Allez. Bien. Comment ça va? C'est la dernière fois que j'ai vu Dylan. Deux jours plus tard, son père m'appelle en pleine nuit. Dylan s'est suicidé. Il s'est immolé dans sa chambre. Je m'en voudrais longtemps de ne pas pouvoir aider ce garçon.
Après ses obsèques, je suis parti en Roumanie, chez moi à Zalo, pour me remettre un peu, mais surtout être avec ma famille et leur dire combien je les aime. J'ai remis les vidéos à la police. Les psychiatres, ils ont vu les images. Et ils refusent de reconnaître que c'est un cas de possession. Mais moi, je suis convaincu que Dylan était possédé. À mon retour de Roumanie, je me suis replongé dans les images de mon enquête afin de comprendre qui était vraiment Dylan et quel esprit l'avait possédé. J'ai fait des recherches à partir des indices que j'avais. Pour moi, l'esprit qui a possédé Dylan serait Reinhard Heydrich. Né en 1904, dont la mère s'appelait Elisabeth. Criminel de guerre nazi, mort assassiné. Membre du mouvement nationaliste qui avait pour slogan « Nous sommes les maîtres du monde ». Voilà ce que j'ai découvert sur la caméra de surveillance. J'ai repris contact avec M. Duval et j'apprends que toutes les nuits, ils sont témoins d'événements troublants. Ils ont même dû quitter leur maison. J'ai décidé d'y retourner pour entrer en contact avec Dylan. Vous avez entendu ça? C'était quoi ce bruit?
J'ai entendu des pas dans le parc. Dude!